bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Qu'est-ce qui se passe ici en fait, à la cour des mineurs? Donc alors aujourd'hui, ce sont les apéros à Liège. C'est un événement estival qui a lieu depuis 6 ans et qui se déroule plusieurs fois par mois pendant l'été. Combien de fois par mois en fait? Mais ça dépend un peu, c'est intercalé durant les événements qui ont lieu pendant les vacances. Et en fait, ça consiste en quoi l'événement? C'est très simple, c'est un bar, petite restauration, musique et des gens sympas qui ont envie de s'amuser avant de démarrer leur week-end. Et ça fait combien de temps que ça existe? C'est la 6e année déjà. Oui. Ça termine quand? Le 5 septembre. Le dernier, c'est le 5 septembre. C'est où alors le 5 septembre? Normalement, si tout se passe bien, c'est sur l'esplanade des Guimains, mais possibilité qu'il y ait des changements. Sinon, il y a un site internet, une page Facebook? Oui, alors site internet, c'est www.apéroadliège.be et la page Facebook, c'est Apéro Liège officiel. Bah, merci, on va faire un tour, on va poser quelques questions aux gens s'ils aiment bien. C'est parfait, merci à vous. Alors le DJ, comment ça se passe? Super bien, super bien. Il y a un peu du monde, il n'y a pas de pluie, c'est parfait. Super. C'est quoi ton prénom? Anthony. DJ Anthony? C'est Jess. Et elle, c'est Jess. Vous êtes un duo, en fait, de DJ, en fait. Ouais, on est deux, ouais. Jess et Anthony, et voilà, des fois on est seul, des fois on est ensemble, on est plus souvent ensemble qu'autre chose. Et vous faites quoi comme musique? On essaie un peu de brasser tout, on sait faire du français, mais là on est plus dans de la soul, par exemple, et on voit que ça marche bien, donc les gens adhèrent, donc on reste là-dessus. On va essayer de partir sur des années 80, là, maintenant. Ok. On va écouter ça. Merci. Ben la v'là, on va lui demander. Vous êtes un partenaire du DJ? Non, Je déteste. C'est mon partenaire, c'est mon pote. Ouais, alors vous mixez quoi exactement? Mais là, je l'accompagne plutôt, mais c'est pas tout à fait ma conviction musicale. Lui est très calé en soul et en funk, et moi pas vraiment. Moi je suis plutôt... Ça crie? Mais ouais, je sais. Sinon, ça fait combien de temps que tu t'es mis à mixer? Moi, ça fait 6 ou 7 ans maintenant que je mixe. Et j'ai toujours été plus attiré par la musique électronique. Ouais. Et mais bon, voilà, quand on aime la musique, je crois qu'on n'aime pas qu'un seul style de musique. Et voilà, celui-là, c'est le sien. Et peut-être que tout à l'heure, j'aurai l'occasion de développer le mien. Ok, bah, bonne continuation. Merci. Et si on a envie de vous retrouver, on peut faire comment? Une page Facebook Anthony Roussel, ouais. Et moi Jessica de Bruce. Et voilà, on n'a pas de page, pas de site à proprement parler. On devrait peut-être y penser, si un jour on pense à nous appeler régulièrement, ouais, on y pensera. Mais là en l'occurrence, on n'a encore rien de préparé. Merci. Voilà, vous êtes toujours au CD et au MP3. Mais surtout, lui il est au vinyle aussi, moi j'en ai quelques-uns, mais je ne joue pas au vinyle pour une question pratique. Mais voilà, on est équipé avec ce qu'on peut, que ce soit des clés USB, des CD, des ordinateurs. Mais bon, c'est plus stimulant avec des CD, c'est vrai. Ok, merci. Salut. Alors, c'est quoi ton nom de magicien? Arthur William. Et tu viens souvent à des événements ici aux apéros liégeois? Je viens à tous les événements des apéritifs liégeois. J'en ai raté aucun depuis le début. Ça fait 6 ans alors? Ça fait 6 ans. Et sinon, tu fais ça toute l'année, magicien? Oui, bien sûr, oui. C'est vraiment ma passion et mon gagne-pain en quelque sorte. Ta profession en fait? Oui, oui. On a envie alors? Oui, il y a moyen, mais bon, il faut absolument s'expatrier. Ici en Belgique, on n'en vit pas. Et ici, on trouve... dans les tours de magie, il y a une école de magie, je sais bien, ici en Belgique. Il y a quelques écoles de magie, mais qui ne sont pas vraiment reconnues, quoi. Bon, là, moi, je me forme par moi-même. J'essaye de créer le maximum de tours possible, et ça marche. La preuve en est, c'est qu'il faut rentrer l'apistage dans le verre. Sans toucher la pistache et sans toucher le verre. Alors il y a un grand maître magicien qui m'a expliqué tout simplement que ça on ne peut pas faire et ça on ne peut pas faire. Ça c'est trop facile. Donc la seule façon de rentrer la pistache dans le verre... La rentrer facilement. Et là, c'est génial.
Merci. De rien. Et la sécurité se passe bien? Très bien. Les gens sont sympas? Ça va. Ok. C'est quelle compagnie? Maximum sécurité. Vous préparez quoi là? C'est Barbara. Je suis en train de préparer. Alors, c'est unique. C'est un hamburger avec une frisée au lardon. Frisée, moutarde, lardon déglacé au vinaigre de framboise, crème, hamburger 100% bœuf, des oignons frits, le tout. Et venez chaque fois aux apéros liégeois? Assez régulièrement. Depuis longtemps? Ça fait 2 ans maintenant. Et ça se passe bien? Très très bien. On peut vous retrouver quelque part? Alors, sur le site de Bouillotte Doc sur Facebook, on peut me retrouver là-bas. Et alors, il y a tous les menus, tous les goûts avec les hamburgers. C'est uniquement pour les événements? Uniquement pour les événements, les soirées privées. Et voilà, on est ouvert à tout. Hein. Merci. Bonne soirée. Ah, ils sont bons apparemment. Délicieux. Merci. Une tuerie. Vous venez souvent aux apéros liégeois? S'il vous plaît. Vous venez souvent aux apéros liégeois? Ah, cette année c'est la première fois. Et comment tu trouves ça? Ouais, ça va, c'est super. Ok, merci. Et vous venez souvent? Non, c'est la première fois aussi pour nous. Et... comment tu trouves ça? C'est vraiment sympa, sympa. Bien, bien, bien. Merci. Ça se passe bien aux apéros liégeois? Très bien, très bien. Vous travaillez ici? Oui. Il y a du mouvement, hein. Beaucoup de mouvement. Et tu viens à chaque fois? Oui, à chaque fois. Bah voilà, merci. Ça se passe bien? Super! C'est son anniversaire et on va parler Sabine. Sabine Warnier, s'il vous plaît. Allez Sabine. 54 ans. Bon anniversaire. Merci, c'est gentil, enchanté, mais c'est pas moi, hein. C'est un super collègue. Ok. Joyeux anniversaire Sabine.